conseil arcturien, devenir votre moi féerique. Nous sommes en train de devenir nos surâmes depuis un certain temps déjà, tout comme vous êtes en train de devenir votre moi supérieur. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'apprendre à nous connaître en tant que conscience plus large et plus expansive. Mais nous n'attendons pas que le changement de conscience soit complet pour expérimenter l'idée de nous-mêmes en tant que nos surâmes. Nous vous suggérons de faire de même. Demandez-vous comment vous penseriez, ressentiriez, créeriez et même vous tiendriez si vous étiez déjà votre moi supérieur de cinquième dimension. Quelle serait votre journée moyenne? Vous pouvez commencer à compléter ces idées car, en tant qu'être de quatrième dimension, vous êtes capable d'accéder à la cinquième. Votre moi supérieur est à l'intérieur de vous. Ils ne sont pas séparés de vous. Ils ne sont pas là quelque part. Votre moi supérieur et vous sentent toute la filtration. Se sentir dans votre moi supérieur, c'est comme se sentir dans votre moi de super-héros. Si vous imaginez toutes les capacités que vous aimeriez posséder en tant que super-héros, vous commencez à avoir une idée de qui vous serez lorsque vous incarnerez pleinement la conscience de votre moi supérieur. Tout le monde ne sera pas le même juste après votre passage à la cinquième dimension. Vous n'aurez pas tous les mêmes capacités et vous n'aurez pas tous les mêmes intérêts. Mais une chose que vous aurez en commun est que vous pourrez poursuivre vos intérêts, vos passions, sans aucune limitation. Et ce sera amusant. En ce moment, c'est un excellent moment pour vous tous de vous concentrer sur le plaisir, car les choses continuent d'être très sérieuses sur votre monde. Et il y aura beaucoup d'occasions pour vous de prendre la vie sur Terre au sérieux. Et cela signifie que vous devrez choisir consciemment d'avoir une approche plus légère de la vie et une perspective qui permet plus de jeu, plus de rire et plus de plaisir. Vos mois de cinquième dimension sont aussi essentiellement des êtres féeriques, car ils ont occupé la cinquième dimension et vous ont invité à leur petite fête. Mais tout le monde ne répond pas à cette invitation par l'affirmative. Les enfants le font, mais en tant qu'adulte, vous avez tendance à vous impliquer dans des affaires plus sérieuses, parce que vous avez plus de responsabilités et parce que vous savez que beaucoup de choses dépendent de l'accomplissement d'une tâche pour pouvoir payer votre loyer ou votre hypothèque. Mais nous vous disons qu'en dépit de tout cela, il y a encore de la place pour plus d'amusement alors que vous explorez qui vous êtes en tant que votre moi de cinquième dimension. Et la seule règle dans ce jeu est qu'il n'y a pas de règle. Nous sommes le conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.